Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes... Une première rencontre, un langage de vérité pour un ministre du Travail et de la Fonction publique, déterminé à clarifier la situation de l'ensemble des fonctionnaires et contractuels de l'État. Devant les directeurs des ressources humaines du pays, Julien Yombouno aborde en premier lieu le dossier relatif aux 6300 fonctionnaires admis cette année à faire valoir leur droit à la retraite. Ces DRH sont également appelés à faire un état des lieux sur le cas des 14 000 agents de l'administration publique payés et non postés, ainsi que d'autres fonctionnaires en situation irrégulière, comme les abandons de poste. Après ce travail technique de 2 jours, ces gestionnaires du personnel de l'administration devraient prendre un engagement sous serment de servir la République dans la loyauté. L'assainissement du fichier général de l'administration permettra d'arrêter l'hémorragie financière dans la gestion du personnel de la fonction publique. C'est de revoir encore une fois la première liste des retraités 2021, les 6300, et de nous dire s'il y a des anomalies, c'est pas grave. Tous ceux qui vont signaler des anomalies, des gens qu'on a envoyés à la retraite, qui vont constater qu'il y a des anomalies, qui ne devraient pas aller à la retraite ou bien il y a X, Y anomalies, ils vont les reporter au niveau de chaque ministère dont ils relèvent. Et puis les DRH seront là pour collecter toutes les réclamations, faire un premier traitement, nous faire un soin transmis, examiner toutes les réclamations qui seront fondées. Nous allons rapporter la décision et rétablir les gens dans leurs droits. Établir les listes exhaustives, exactes de tous ceux qui sont décédés, mais qu'on n'a jamais radié depuis des mois ou des années. Tous ceux qui travaillent à la fois au privé et qui sont inscrits à la fonction publique, mais ils ne travaillent pas du tout. Ils continuent à percevoir des salaires, de nous faire le point. Et il y a beaucoup d'autres cas, comme ceux qui sont carrément à l'étranger depuis des lustres, sans compter des cas d'incohérence en termes d'âge de recrutement, parce que la loi dit clairement que vous devez avoir 18 ans au moins pour être enrôlé à la fonction publique, 45 ans ou plus. Toutes les anomalies qu'ils connaissent très bien, ils doivent les relever systématiquement, préparer des listes exhaustives. À la tête de ce carnaval géant, parti de la belle vue pour l'esplanade du stade du 28 septembre, des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers engagés dans la lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Cette 33e journée mondiale de lutte contre le VIH est placée sous le thème « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au Sida, mettre fin aux pandémies ». Pour les responsables du programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites, la Guinée a enregistré des avancées significatives, même si des défis restent à relever. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est l'occasion pour le gouvernement et les partenaires techniques et financiers de réitérer leur engagement pour l'atteinte des objectifs mondiaux de lutte contre cette pandémie. Selon l'ONU-Sida, le VIH-Sida touche 1,5% de la population guinéenne. Et près de 5000 personnes sont mortes en 2020 de maladies opportunistes au SIDA. Le gouvernement et ses partenaires comptent quotidiennement sur l'assistance de plus de 250 accompagnateurs psychosociaux qui travaillent avec le personnel soignant afin d'offrir des services VIH dans un environnement de moins en moins inégalitaire, et ce même dans les contextes difficiles de pandémie. Il y a eu beaucoup de résultats positifs qui ont été atteints dans la lutte contre le VIH-Sida. À ce jour, nous avons près de 65 000 personnes sous traitement antirétroviral. Ça, c'est déjà un grand acquis.
Recenser tous les abonnés de l'électricité de Guinée à Conakry et environ, c'est la difficile mission qu'attendent ces jeunes recrues. L'opération commence mi-décembre et va durer 4 mois. Mais avant, cette formation théorique sur la codification et les techniques à utiliser est un passage obligé. Pendant cette campagne, tous les abonnés du réseau et ceux qui opèrent dans la fraude seront recensés par ces jeunes stagiaires. Des outils adéquats leur seront donnés pour référencer les lignes de départ électriques et tous les ménages. La tâche s'annonce difficile, c'est pourquoi les responsables de la société invitent la population à bien coopérer avec ses agents. Avoir une base de données fiable est tout l'objectif de cet exercice initié par EDG, dont le dernier recensement remonte à 2019, avec 1 million de consommateurs répertoriés sur le réseau. 47,8% de ces consommateurs vivent en milieu urbain et 2% en zone rurale. Aujourd'hui, nous allons former 200 personnes qui sont reparties en des groupes pédagogiques. Et chaque groupe, on a au moins 25 personnes dans la salle. Et après la formation théorique, ils vont directement sur le réseau. Le groupement de la gendarmerie routière passe à la vitesse supérieure. Après un mois de sensibilisation des usagers en rase campagne, la phase de verbalisation rentre en vigueur ce 1er décembre. Ici, au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, ce sont des carnets de contravention sécurisés qui ont été remis au chef de bord pour d'éventuelles sanctions à l'endroit des usagers pour un changement de comportement dans la circulation. En plus de la répression, ce dispositif va désormais lutter contre les coupeurs de route, mais aussi encadrer les transporteurs afin de sauver des vies. L'Union nationale des transporteurs routiers, le syndicat des transporteurs et mécaniques générales sont mis en branle pour véhiculer des messages de sensibilisation en vue d'éviter les accidents. Nous recevons officiellement du ministère des Transports des carnets de contravention sécurisés et confectionnés par le Trésor public pour l'application des pénalités prévues par le Code de la route en République de Guinée. Monsieur le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire tient à préciser que les recettes issues de ces verbalisations seront exclusivement versées au compte du Trésor public par voie électronique, Orange Money et Mobile Money. Tous les éléments qui se trouvent dans ce carnet, si vous respectez le code de route, vous n'avez pas à être frappé d'une amende ou bien d'une contravention. L'essentiel pour nous ici, c'est d'éviter les accidents. J'espère que durant cette campagne de sensibilisation, ce qu'on leur a donné comme enseignement est déjà compris et qu'ils vont respecter ça dans la circulation routière. Ceux qui sont en rase campagne, qu'ils sachent à leur niveau qu'il y avait 52 articles qui régissent le secteur du transport. Un contact avec les cibles du ministère en vue de mieux évaluer leurs besoins. Au centre Sauguet des aveugles malvoyants, le bus qui transporte les élèves est sur cale depuis plusieurs mois. Au centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II, malgré la détermination du personnel, les appareils et autres machines sont dans un état de vétusté très poussé. La bonne nouvelle de cette visite de terrain de Mme Aïcha Nanette Conté, c'est la construction prochaine par le partenaire Enabel d'un centre de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre dans l'enceinte de Jean-Paul II. Avant de boucler cette sortie, le besoin du centre de transit et d'orientation des migrants de Conakry a été évalué par la ministre qui promet de trouver des solutions à tous les problèmes évoqués. D'abord, la première difficulté, c'est le bus. Vous savez, ce n'est pas facile d'envoyer les enfants non-voyants à l'école sans bus. Actuellement, les enfants qui viennent, c'est les parents qui payent les frais. Ils sont obligés de négocier les motards
pour pouvoir déposer les enfants. Ou que l'intéressé accompagne, fasse accompagner l'enfant par une autre personne. La problématique de l'insertion socio-économique des personnes à mobilité réduite, le sujet préoccupe l'organisation au secours des handicapés de Guinée. À travers ce plaidoyer, elle tire la sonnette d'alarme. Valoriser leur aptitude et potentiel en vue de promouvoir leur pouvoir économique et social et créer un environnement dans lequel les jeunes, surtout les filles et femmes vivant avec un handicap, telles sont entre autres attentes de cette corporation. Pour une meilleure protection et une prise en charge des personnes à mobilité réduite, les responsables de l'ONG, Organisation au secours des handicapés de Guinée, ambitionnent renforcer le leadership, les capacités techniques et organisationnelles de leur structure. Nous voulons que ces décideurs, ces autorités, en élaborant de documents de développement de chaque commune, et tiennent compte le besoin spécifique des personnes vivant avec handicap. Nous allons prendre en compte leur plaidoyer dans l'élaboration du plan annuel d'investissement de PAI de la commune pour les années futures. Nous, les personnes en situation de handicap, nous traversons des difficultés vraiment compliquées, par exemple dans la circulation, dans les études. Bonsoir. Aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de rencontrer notre ami Sour Tailleur dans le quartier Hamdallah Mosquée. Je suis surpris de constater dans les rues, dans les hôpitaux, partout dans le pays, les personnes sourdes font la mendicité. Confectionnent des faux papiers qu'ils mettent dans les enveloppes au nom des associations dont la plupart n'existent pas, trahissant ainsi la population. C'est pourquoi nous avons décidé de rencontrer nos amis sourds qui sont un modèle pour la communauté. Des sourds pour nous dire face à la mendicité de leurs amis sourds. Ces deux jeunes tailleurs font partie de mon association AGPJS, Association guinéenne pour la promotion des jeunes sourds. Je vous invite à suivre leur déclaration sur la mendicité. Bonsoir, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Je me nomme Mohamed Camara. Merci. Tu continues de travailler ici? Tu as étudié? Mais je n'ai pas pu continuer mes études.
Alors, j'ai décidé d'apprendre la couture. Maintenant, je suis chef et je gagne ma vie. Aujourd'hui, je collabore avec mes amis sourds, dans le même atelier. Merci. C'est toi qui as confectionné ces habits? Oui, c'est moi-même et je gagne bien dans ce métier. Quels sont tes sentiments en voyant tes amis mendier? Cela me fait très mal de les voir. C'est pourquoi j'invite mes frères et sœurs sourds à venir travailler avec nous pour qu'ensemble nous puissions préparer notre avenir. Très bonne idée d'inviter tes amis à travailler. Sinon, la mendicité est une activité qui fait honte à toute la communauté des sourds. Et je te rassure du soutien de mon ONG pour accompagner vos efforts et nous mobiliser contre la mendicité et préserver notre honneur. Ah, ok. Je suis tailleur retraité depuis tant de cinq ans. D'accord. Je vais couturer dedans. Je suis un ancien couturier. Depuis un temps de se couturer, je faisais la couture femme. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je me repose. C'est moi-même qui avais trouvé la place pour ces soumis. Une fois, ils sont venus me voir et les aider à trouver une place à côté de moi ici. Ils veulent faire la couture. Avant, ils travaillaient avec un maître qui ne les payait pas. Sinon, ils travaillent très bien. Ils n'ont aucun problème avec les gens ni leurs clients. Je lance un appel aux autorités et les personnes de bonne volonté de les venir en aide cette couche. Ici, c'est un Yakos, colonel de Fanny, a mené 6-7 complets. Très bonne idée d'inviter tes amis à travailler. Sinon, la mendicité est une activité qui fait honte à toute la communauté des sourds. Et je te rassure du soutien de mon ONG pour accompagner vos efforts et nous mobiliser contre la mendicité et préserver notre honneur. Le gouvernement fait courage.